Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Comme nous t'es toujours promettre pour le pays, nous même nous faisons choix dans la vie. Pour respecter l'engagement. Depuis 1994, nous avons goûté pour nous traquer les armes illégales en Haïti. Mais l'autorité en place a toujours mal abordé le problème. En 2013, Arnel Belizère était député. Nous avons relevé des irrégularités dans la forme de Jean Zam après entrer dans le pays. Grâce à support en pile camarade, nous avons un dossier complet côté que qui a justifié devant l'État haïtien que Laurent Salvador Lamotte et Salim Soukar étaient dans le trafic illégal Zam international. Moi, j'ai fait le devoir comme député du peuple à l'époque. Comme Parlement pas à la hauteur pour le faire job, nous allons devant la justice comme simple citoyen, nous allons dénoncer des dirigeants. Si citoyen pays est content de nous-mêmes qui sommes à terre, qui prend engagement pour nous rester droit, je dis à la situation pas à privé dans l'état privé, je dis à. Qui ça fait ça? Il y a toujours nous-mêmes comme bêtes noires, parce que nous condamnons comme tinec qui sont en bas à sa patte de cochon pour nous jamais rien. Yo wè que moun kap utilize zam nan yo, yo pa jam fè effort pou yo fermé van kap bay zam yo. Le nèg la rentre a un zam lâché pour $284. Parfois, si de qualité la pache le $451 pou le vin vann $45,000. Est-ce que si nous pa gon l'état qui gen point, nous gon justice qui respecte tête li, est-ce que n'ap jam ka rezoud problème zam nan pays? Comme autorité en place yo toujours wè les gens qui semblent avec moi, les gens qui sont comme moi, c'est moi. Il y a tout le monde par quantité, mais je regrette ça pour eux. Depuis que je viens sur la table, tout le monde a toujours retourné. Pour nous bien attaquer le problème de sécurité, je dis à l'état que l'IA, il faut que c'est dans la source. Et pour nous dans la source facile, c'est commencer à traquer les gens qui ont fait business à l'échelle internationale. Et puis, quand y a là, on a diminué, ça va permettre que nous résoudre le problème à terre. Nous avons toujours pris engagement, mais là, regardez moi gravité la situation aujourd'hui. Je suis obligé de renouveler ça encore devant la société. Pour me dire, il y a des techniciens qui ont pris un risque, qui ont sacrifié depuis des années pour que mon ligne. Je viens crier devant eux encore. Je viens là pour me dire, gravité la situation, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés. Monsieur, nous sommes fait la Saline, Pont-Rouge, Bicentenaire. Moi, je me demande, est-ce que pas une autorité qui passe dans la zone ça? Si une autorité qui passe dans la zone ça, pour que ça moun ça cap vivre dans la zone ça ou pas considéré tant que moun? Parce que je ne sais pas si le pays a une autorité, c'est comme ça moun yo t'a vivre. Pour raison ça, camarade, moi dis nous. Nous ne connaissons pas digne, pas bon, nous tous péchés. Même quand nous avons courage, nous sommes goûtés, nous sommes goûtés. Je demande à tout le monde qui croit, j'en vais vivre là, j'en aurai les noms, tout dit que si nous ne pas accepter pour nous se lèche cul, nous sommes obligés de mettre nous ensemble pour une bataille, pour nous faire comprendre que nous sommes mouns. C'est dans l'optique ça, nous sommes renouvelés plainte là pour Laurent Salvador Lamotte. Je dis, l'année prochaine, je vais recompiler tout le dossier encore parce que tout le matériel est toujours dans mes DCPJ. Je vais finir récupérer, je vais porter plainte l'année prochaine contre le directeur général de la douane avec le directeur affaires judiciaires pour détournement d'armes et munitions saisies dans la douane. Depuis, sous commissaire gouvernement, sous Matéli, qui est là, il fait le. Un juge d'un coup d'appel et commissaire Opnam Clamé d'Améus. Détournement ZAM, ça a été fait dans la douane.
Moi te dis le plainte l'ambitieux, faut lui faire suivi légal. Moi-même, moi prêt pour me téléler toute équipe que me connecte à travailler sur dossier ça là dedans pour te venir dire. Mais le pas de faire suivi yo, m'a fin récupérer tout matériel moi, m'a compilé tout dossier yo pour n'al porter plainte encore pour moun sa yo qui fait détournement zam et des munitions en dedans la douane. Pour que ça me prête tout triste ça yo. C'est parce que moi des citoyens qui peuvent parler parce que si yo parler autorité yo ka fait tout yo. Mais monsieur, si nous dit n'a bataille dans pays, n'a bataille pour pays. Faut nous connaître que la donne des exil, des prisons, des mourir. Réussit tellement loin, nous avons mouru, toute équipe que nous avons mouru, nous ne pouvons pas nous faire les réussites. Mais si nous avons fait bataille pays réellement, faut nous ramasser le caractère, nous, dignité, nous prêts pour nous faire face à tout obstacle que nous avons rencontré. Nous sommes fait 2 ans de prison dans l'équipe ça. Nous avons un paquet de revendications. Jean-Noël Jodian, nous sommes portés devant nous. La bataille n'a pas campé dans la route. Nous avons tout yen, mais nous n'avons pas changé. N'a dit tout citoyen honnête, jeune femme conséquent, qui pas considéré tête comme lèche cul en dedans trou du cul, frappé plus à 29 ans. Vin dit, pour ça nous tape gouméen, l'hypoco jouen, ça cap fait là et pas pour ça nous tape gouméen. Et n'a tout profité de micro nous, monsieur, pour nous chercher qu'on est côté premier ministre de facto illégal Ariel Henry Rété. Il prend résidence pour le ministre comme bureau. Moi, t'as aimé pays à qui côté le rété. Parce que si on assassine le premier ministre Ariel Henry, même Jean-Jovenel Moïse, nous n'en couru. Nous pas connaît côté premier ministre Ariel Henry rété. Comme président, premier ministre, nous, il doit nous explication. Jusqu'à présent, c'est l'ICLA. Nous même dans la rue à 29, décembre qui a venu là, pour nous dire que nous ne sommes pas complices de ce qui a passé dans le pays là et nous ne pouvons pas accepter de faire une complice. Il y a des questions, il faut l'autorité en place répondre. So, c'est pour toute raison ça, je m'a dit camarade, je m'a dit zami nous, qui était dans la bataille pour te dire que il faut chavirer le système pour l'État pourri ça, nous avons un meilleur qui est capable au service du peuple haïtien. Je dis à nous, un pays a vint pi mal. Si nous-mêmes, les prisonniers politiques, nous t'arrêter bras croisés, nous t'a sorti dans la prison, pour les gens qui mourent, pour les gens qui sont en prison, pour les gens qui sont victimes pour lutte, ça, mon cher Formal est arrivé nous dans la rue. Et même pas qu'à faire un complice. Comme militants conséquents, pas de jamais quitter ou t'oublier nous. Pendant que nous sommes en prison, nous retournons, nous venons, nous remettons la vie, nous, la bataille continue. Et nous avons profité pour nous dire avec le doyen Wando Saint-Villiers. Il a dit faut que CSPJ monte une commission spéciale pour analyser le dossier tout juge. Le président a dit juge Compio avant le renouvellement de la juge. Je dis le doyen arrive dans le CSPJ. Nous ne partons de voile sous bataille qu'elle t'a menée pour retirer le juge corrompu dans le système. Je me pose la question comme politicien. Combien prend tout politicien pour voler, pour raqueter, pour vagabond? Moi, je dis que Anel Belize a fait la différence. Et Goumem contre Goumem, c'est Goumem qui continue à Goumem pour garder tout le monde. Je me dis, doyen, Wando Saint-Villiers, le doyen de Jacmel, pas vrai? Je dis à la CSPJ, Napton, toute revendication qu'elle t'a fait à l'ancien CSPJ avant. Yo. Parce que justice a vint pi mal. C'est machin qui gagne la justice à Jodia, c'est magouillé, c'est volé. Mon honnête yo a souffri dans le système de justice. Fonek CSPJ yo dit, est-ce que c'est pas que vous pas de joindre, vous êtes deux fait que vous avez revendiqué? Jodia, comme vous êtes dedans, est-ce que vous achetez bouche pour vous venir rentrer dans ce volé? Si c'est pas ça, Napton, pour la bataille que le tap mené, elle continue pour enquête la fête, pour nous retirer toute ma gouille. Et ma banou, l'autre année, je vais commencer à dire nous, juge corrompu, juge raqueteur qui gagne dans le système. Tout ça m'identifie, moi j'ai un dossier pour vous, l'année prochaine, je vais commencer à dire nous.
parce que nous pas qu'à continuer comme ça. Il faut nous accepter pour nous faire choix de bataille. Il faut mourir là-dedans, il faut exil là-dedans, il faut prison là-dedans. Ce n'est pas nous tous qui sommes obligés de vendre conscience nous pour changer les conditions d'existence matérielle nous pendant que nous n'avons pas qu'à monde qui croit. L'objectif de la conférence, c'est pour nous continuer à inviter la presse et la population dans une grosse manifestation, jour 4 mercredi 29 décembre 2021. Pour nous continuer à exiger et demander aux autorités dans l'État, tant que coup des comptes, côté arrêt des bains, que vous te promettez pays, ça a plus passé dès l'année après le rapport Petro-Caribéa. Pendant que dilapidateur vient plus arrogant dans le pays, journée aujourd'hui. Plus passé 5 mois depuis l'ancien président Jovenel Moïse été assassiné, pour qu'on n'ait aucune mesure qui prend pour entrer tout décret scélérat illégal que nous te dit qui doit rentrer immédiatement après Jovenel quitter pouvoir. Côté commission spéciale sous cadre des malogues là, qui te doit camper immédiatement après départ Jovenel PHTK. Qui tape pour mission pour pencher sous contrat illégal cadre des malogues là pendant. Nous continuons à exiger le peuple à faire 4 illégales si là. Le pays n'a pas continué avec le système politique pourri ça. L'État a pesé sous ça qui empêche le peuple à vivre dans le monde. Mercredi 29 décembre, ça, nous avons continué à fouler le béton pour exiger l'autorité dans l'État de prendre responsabilité pour respect toutes les revendications. Population. Tapoté depuis plus passé 10 l'année. Peuple a vive tant que moun pendant n'a demandé autorité la police prend responsabilité yo pour mettre bon gens sécurité dans le pays. L'Assemblée Kafou Résistance n'a monté autoroute de Delma pour n'a prendre l'autre branche dans Pétionville, n'a rentré dans rue Panaméricaine, n'a descendre sous Boudon, n'a continuer suivre sous la rue l'arrivée là sous la rue n'a rentré dans avenue Christophe pour nous venir bout devant ancien coup de compte là pour nous demander exiger nèg arrêt de bain un rapport Petro-Caribe qui sorti quelque temps nèg pas jamais voulu ba arrêt de bain ça qui vient rendre même dilapidateur ça yo pi arrogant qui se sous toutes les réseaux sociaux sous toutes les médias nèg pi arrogant nous même nous pral devant la cour des comptes pour nous exiger la cour des comptes ba arrêt de bain et puis pour nous continuer marcher demander pour nous suspendre avec insécurité, ça me bat. Est-ce que bon, qui planifie pour moi-même et puis peuple a même a souffri. Nous auparavant malheureusement parce qu'on a fait. Je ne je dis un sur l'autre bagage. Mais nous allons exiger toute bagage ça et exiger négio respecter constitution. Et nous avons un message à Pierre Mariel pour nous dire lui, il pas assez légitimité pour ta penser qu'à mettre constitution en vérité. Année 2021, nous-mêmes c'est une année que nous demandons réconciliation nationale sur tout le territoire. L'un considéré ensemble de bagailles qui marquaient l'année 2021, nous pas souhaité retourner là-dedans encore. Nous avons pris les cas. Nous gardons un président assassiné politiquement jusqu'à présent par une lumière totale qui fait sous lui. L'un considéré ensemble de cas insécurité qui a travers le pays, insécurité a tellement fort, mouton il veut frapper même président. Je dis à personne citoyen pas épargné en bas Zach insécurité en pays. Et il y a des bagages qui marquent. Nous avons pris exemple. Jusqu'à nos jours, je ne parle pas à voilà là, Matisse en bloqué. Nous avons pris exemple, quoi des bouquets bloqués. Je dis à la diaspora, tu as aimé venir à la caille. Mais il n'est pas capable. Par rapport à qui ça, par rapport avec insécurité. Premier bagage pour nous attaquer. L'État pays international là, ou du moins la population doit être conscient des questions d'État insécurité à travers la République là. Parce que je dis à la vie, tout le monde compte. Sans la vie, on n'a pas rien qu'on a fait. Je dis à un secteur des affaires. Même si tu avais implanté un business quelconque, ou tu avais investi dans un bagage, mais depuis qu'il y a une sécurité, on ne peut pas aller. Nous voyons comment tous les citoyens quittent la République là pour aller investir à travers la République dominicaine, tant d'autres pays. Nous comme artistes nous qui te pays y aller y aller vivre dans l'autre pays, ça veut dire pays invivable.
Et mais je dis, nous demandons de solidarité. C'est nous-mêmes haïtiens qui pouvons mettre tête ensemble. Pour nous faire coup à coup, pour nous faire solidarité, pour nous casser chaîne insécurité ça, pour nous dire la vie d'abord. M'a souhaité pour tout peuple haïtien et que conscience reproche ok, yo a mal vivre dans le pays hein, pour assumer des responsabilités yo. Et pour nous gagner l'autre année 2022, c'est pas année 2021 ça nous sommes passé là non, avec une insécurité tribord et pas bon kidnapping n'a fait tribord et pas bon, mais moi j'ai une pensée spéciale pour le pays d'Haïti, pour jeunes femmes, jeunes garçons qui ont fait acte terroriste sur le peuple haïtien, pour mémoire, pour conscience, reprocher, pour dire non, Abraham 17 ans, il faut que le pays arrive vrai sur le rail de développement. Lise Moun Mouri, lundi 27 décembre, en Babal, Badio, dans Matissan, mon qui t'a assisté, rapporté c'est Badio qui tiré sur plusieurs bis qui t'a pris le cafou. Citoyen qui t'a vivre événement ça, conseiller Moun qui a intention de passer Matissan pour contrôler la situation route là avant de passer, pendant de demander aux autorités de prendre responsabilité. Yo. Et puis, Premier ministre Ariel Henry rencontré plusieurs membres du parti politique semaine ça. C'était occasion pour chef Primatia faire un rallye sous divers problèmes qui arrivaient en dans pays pendant l'année 2021. Premier ministre Ariel Henry souhaitait année qu'à venir là pour tout acteur qui mettait tête ensemble, une façon pour la population qu'à rallier en souffle. Richardson Jourdan pour un extrait. C'est avec plaisir que je vous accueille. Vous, les membres de partis et regroupements de partis politiques, qui animez depuis de nombreuses années la vie politique. Face à cet aéropage de citoyennes et de citoyens qui ont fait le choix difficile de s'engager en politique et qui militent depuis de nombreuses années dans un contexte qui aurait découragé plus d'un, je me dis que notre pays dispose de ressources humaines nécessaires pour le sortir de son marasme. En cette saison des fêtes de fin d'année, c'est devenu une tradition d'échanger des vœux et de se souhaiter mutuellement toutes les meilleures choses que l'on espère pour soi-même. En général, ce n'est pas le moment de se lancer dans ces considérations politiques interminables. Mais je suis certain qu'aucun d'entre vous ne comprendrait que je ne fasse pas quelques allusions, même brèves, aux problèmes multiples auxquels notre pays est confronté et aux défis qui nous attendent et que nous aurons à relever ensemble. L'année qui se termine a été jalonnée d'événements terribles qui nous ont tous marqués. L'assassinat odieux du président de la République aurait pu déstabiliser complètement notre pays et nous entraîner dans un cycle dangereux d'instabilité et de perturbation sociale. Dieu merci, la sagesse et le sens élevé des intérêts supérieurs de la nation, manifestés par beaucoup de leaders politiques, de leaders de la société civile et des organisations populaires, nous ont aidés à passer ce cap difficile. En signant le 11 septembre dernier l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, ils ont épargné le pire à notre patrie commune. La nation vous sera reconnaissante et avec le recul, saura apprécier votre abnégation et votre sens du bien commun. J'espère vivement que ces temps de fête inspirera tous nos compatriotes qui ont fait un choix différent et les portera à saisir cette main fraternelle que je leur tends, que nous leur tendons patriotiquement. Nous avons plus que jamais besoin d'unité et de sérénité pour faire face aux défis collectifs qui nous attendent dans les prochaines semaines et pendant toute l'année 2022. Nombreux sont nos compatriotes
qui ne verront pas la nouvelle année parce qu'ils sont morts d'atroces souffrances dans la récente tragédie survenue au Cap-Haïtien ou ont péri dans le séisme du 14 août. Ils sont nombreux encore à être cloués et à souffrir sur un lit d'hôpital. Je tiens à remercier les responsables politiques qui ont soutenu jusqu'ici l'action du gouvernement pour leur compréhension et leur patience. Ils ont compris la difficulté de la tâche et ne me tiennent pas rigueur du fait que je ne suis pas toujours disponible pour les recevoir aussi souvent que nécessaire ou pour répondre à leurs appels téléphoniques. Vous savez tous que je suis un homme de dialogue, un homme qui croit que c'est la meilleure méthode pour gérer les conflits et pour construire des consensus suffisants. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne, et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.